Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier studio de cette 40e édition de Plein Art, ici à l'espace 400e à Québec, du 2 au 14 août. On est très content de lancer cette 40e édition. Je suis magnifiquement accompagné de gens très importants au cœur de cet événement pérenne au cœur de la ville de Québec. Je vous présente d'abord Marc Douanard, qui est notre président du conseil d'administration. Julien, je ne sais jamais son nom de famille. Sylvestre. Julien Sylvestre, qui est le directeur général, président directeur général des métiers d'art. Exactement. Lolita Dandois, ambassadrice mode, pour la première année ici à Plein Art. Oui, ma première ici, je suis bien contente d'être là. On est très content que tu sois là. Bon, on va essayer de prendre un peu de temps pour vous parler de ce qui va se passer dans les prochains jours ici à Québec. Et je vais donc passer la parole tout de suite à Julien, qui va nous parler de l'événement en soi. Qu'est-ce que ça représente, cette 40e édition? Qu'est-ce qui la particularise, en fait? Oui, tout à fait. Ben, c'est la 40e édition. Québec, c'est... Plein Art, pardon, c'est une histoire d'amour avec la ville de Québec, avec les artisans, avec les citoyens, les touristes, la ville elle-même, donc qui s'est développée aussi avec les métiers d'art. Alors, on est vraiment très heureux, toute l'équipe, tous les artisans qui sont présents, de retrouver les visiteurs, le public, et de fêter cette 40e année avec la ville. Ça, c'est important. 70 artisans qui vont être là du 2 au 14 août sur le site de l'espace 400e à Québec, avec différentes activités dont on va se parler au fur et à mesure. Absolument. Puis, ben, c'est ça, je pense qu'il y a un réel... en tout cas, les artisans sont prêts, Marc va pouvoir nous en parler, les artisans sont prêts à retrouver les visiteurs. Absolument, on le sent déjà. Le coup d'envoi a été donné à 10h ce matin et déjà, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup d'activités. Les artisans et les artisans sont déjà très contents. Il semble que les gens sont au rendez-vous. Marc Douanard, pourquoi? Tu sais, on parle de faire le plein d'art d'ici. C'est vraiment au cœur de la mission des métiers d'art. Pourquoi c'est important d'acheter de l'art d'ici? Pourquoi c'est important de venir ici pour acheter de l'art d'ici? Oui, ben c'est deux bonnes questions qui se complètent bien. Je pense que c'est important de consommer des métiers d'art d'ici parce que c'est notre ADN, les Québécois, je crois, de consommer ce qui est fait ici par des gens qui sont inspirés par la géographie, le territoire, les matières premières qu'on a au Québec. Par une créativité reconnue internationalement. Je pense que c'est important de le dire, ça aussi. Les artistes, les artisans québécois, on a une réputation mondiale. Souvent, on se boude nous-mêmes, on le sait peut-être pas assez, mais les artisans québécois, Julien et moi, on voyage, on va dans des événements un petit peu partout dans le monde pour représenter le Québec, puis on se le fait dire au Canada, aux États-Unis, partout, que il y a un petit pôle ici au Québec où il y a un talent incroyable qui se fait. Fait que c'est sûr que ça va se refléter dans nos costumes, dans la mode, dans le design, dans nos instruments de musique, dans notre patrimoine, de toutes sortes de façons. Puis c'est une communauté qui est répartie très, très, très uniformément sur l'ensemble du territoire québécois. Puis qui permet de faire rouler une économie qui est vraiment pas marginale. On en parle un peu de manière marginale, mais non, c'est impressionnant comment les artisans, les femmes artisanes, majoritairement au Québec, ont un impact économique sur l'ensemble de la société par la distribution des métiers des artisans sur l'ensemble du territoire. Puis Plein Art, ben, c'est un rendez-vous annuel. Où ces artisans-là de partout au Québec se donnent rendez-vous pour venir rencontrer la foule, finalement, la foule de Québec, qui est probablement notre clientèle privilégiée. Donc, on a beaucoup, beaucoup de gens de Québec qui sont là, mais naturellement aussi une clientèle touristique du Québec, mais d'ailleurs, qui viennent naturellement nourrir ce partage. Ce sont les raisons, je crois. C'est une très, très bonne raison. Tu veux je sors de Plein Art complètement, mais on parlait de la spécificité des métiers d'art du Québec. Oui. Puis, on a annoncé il y a quelques semaines, jours, il y a une biennale internationale qui se passe au Grand Palais à Paris, une biennale en métiers d'art, mais biennale internationale métiers d'art et création,
qui s'appelle Révélation, qui est organisée par Atelier d'art de France. Et il y a toujours un pays ou une région à l'honneur. Et l'année prochaine, c'est le Québec à l'honneur, les métiers d'art du Québec à l'honneur. Et ça, c'est parce que les métiers d'art du Québec ont une couleur particulière, des savoir-faire particuliers, importants. Et c'est ça qu'on retrouve aussi à travers nos propres événements, notamment à Plénard. Donc, c'est important de découvrir ça. En fait, moi, je l'ai toujours dit, puis c'est un clou sur lequel je cogne, c'est que les métiers d'art, c'est une façon de nous nommer, de nous présenter au reste du monde aussi. Tu sais, c'est vraiment une façon de se nommer, de dire qui nous sommes. Ça parle de ce qui nous détermine, ce sur quoi on s'est construit. Fait que de savoir que tout à coup, les gens nous reconnaissent à travers ça, c'est fantastique. Lolita Dandois, tu es ambassadrice mode. Je te l'ai déjà dit, c'est une conversation que j'ai déjà eue avec toi. On a plein d'a priori par rapport à la mode, parce qu'on la consomme de façon, des fois, irréfléchie. Ouais. En quoi cette destination-là peut changer notre rapport à la mode et aux objets mode qu'on achète, notamment? Bien, elle peut la changer de plein de façons, mais la première façon, tu viens de le dire, on a une consommation de mode qui est effrénée depuis une trentaine d'années. Mais j'ai pas l'impression, je veux dire, c'est de notre faute dans le sens où c'est nous qui consommons, mais c'est une façon qu'on nous a inculqué de consommer. Ça a pris longtemps avant qu'un T-shirt puisse coûter 7 $. Il coûtait pas 7 $ il y a 50 ans. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on nous a dit c'est correct de payer ça. Et les gens ont pris cette habitude-là. Donc, il y a beaucoup de gens qu'il faut déshabituer de ça. Puis moi, je dis toujours que la meilleure façon, parce que c'est dur de convaincre quelqu'un, tu vas maintenant payer plus cher pour quelque chose. Mm-hmm. Mais à partir du moment où tu changes ton rapport à ce vêtement, où le vêtement commence à avoir une signification pour toi, bien, à ce moment-là, tu vas être prêt à payer plus parce que, comme anciennement, bien, tu vas garder ton vêtement ou ta paire de chaussures pendant des années, tu vas aller la faire réparer, puis elle va signifier quelque chose. Donc, je pense qu'ici, le fait de pouvoir rencontrer la personne derrière le vêtement ou tout autre produit qu'on va acheter, bien, va faire en sorte qu'on comprend qu'est-ce qui vient derrière. Puis là, tu te dis, ah ben il y a une raison pourquoi je paierais ce montant-là. Puis à partir du moment où tu payes ce montant-là, tu te dis, il y a une raison pourquoi j'ai envie de garder ce vêtement-là, cet objet-là, longtemps. Donc, je pense que ça, c'est la première raison. C'est vraiment de changer notre manière de percevoir la mode. Puis moi, tu parlais du clou sur lequel tu cognes. Là. Mm-hmm. Moi, je cogne sur celui-là parce que je trouve, malheureusement, qu'on a donné une très, très, très mauvaise... à la mode. Puis moi, je sais qu'elle est belle puis qu'elle peut être très belle. Puis ici, on en voit un exemple. Aller faire un tour du côté des bijoux puis de tout le travail qu'il y a en arrière d'un bijou, bien, je peux te dire que tu auras envie de le porter longtemps puis même de le léguer par la suite. Tout à fait. Ouais. Alors toi, tu vas te faire le devoir de présenter différents artisans, artisanes tout au long de l'événement. Ouais. Ici même, au studio. Oui, au studio des métiers d'art, on va avoir des rendez-vous avec des artisans. Mon but, c'est de les faire parler, de leur faire dire qu'est-ce qu'ils font de bien, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps les plateformes pour le faire. Puis eux-mêmes disent souvent, je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas bonne là-dedans. Bien, nous, on est là, en tout cas moi, c'est ce que je veux faire, juste leur faire dire des choses qu'ils disent peut-être doucement, là, mais là, leur faire dire haut et fort pour que les gens réalisent c'est quoi le travail derrière. Puis sinon, le reste de la semaine, bien, je vais me promener sur le site, je vais aller choisir des coups de cœur, je vais les présenter sur les réseaux sociaux, puis ça va être le fun. Rien. Dis-moi, Julien, il y a plusieurs activités au-delà de la visite et de la possibilité d'aller à la rencontre des artisans et des artisanes. Il y a d'autres événements qui se sont greffés, entre autres ce qu'on fait présentement, le studio. Il y a la plateforme matière.ca qui devient maintenant un outil pour vraiment entrer dans l'univers des métiers d'art. Est-ce que tu veux nous en parler plus de cette plateforme? Oui, tout à fait. Matière.ca, matière au pluriel.ca. Alors, c'est vraiment une plateforme en ligne pour tout savoir sur les métiers d'art d'ici. Alors, vous allez retrouver là-dessus des fiches artisans avec la description du travail de tous les membres du Conseil des métiers d'art du Québec, par exemple, avec des photos, des liens vers leur site de vente, leur histoire, leur parcours. Un des points importants sur matière qui est certainement au centre de toute cette plateforme-là, ce sont les circuits. Les circuits pour découvrir le Québec autrement. Cette plateforme-là, elle est née aussi, elle a été conçue pendant la pandémie. On avait une idée un peu avant, mais évidemment, la pandémie est venue
Exactement. Ouais. Alors, on a le goût de faire découvrir le Québec par ses artisans, de faire des routes d'artisans au Québec. Et c'est exactement ça qu'on peut faire sur Matière. Alors, il y a des circuits qui sont prédéterminés, où on vous a choisi quelques spots importants d'artisans, mais vous pouvez aussi déterminer votre propre circuit. Par exemple, si vous voulez avoir la liste des ébénistes ou des céramistes en Estrie, alors vous tapez « céramiste en Estrie » et vous allez avoir tous les céramistes qui vont s'afficher sur une carte Google Maps. Vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone. Et donc, on peut découvrir comme ça. Alors, on peut choisir par région, par matière. Et il y a toujours les deux tiers, Marc le soulignait, les deux tiers des artisans sont des femmes qui ont une pratique professionnelle en région. Alors, le Québec s'est construit avec ses artisans. Alors, découvrons notre Québec à travers ses artisans. Il y a toujours un artisan proche de chez nous dont on peut apprendre l'histoire. Et c'est un peu ça que vous allez pouvoir faire aussi au Studio Métier d'art. Absolument. C'est nous faire découvrir ces histoires-là. Et donc, le dernier point de matière.ca, c'est de découvrir toutes ces émissions qu'on est en train de faire pour rencontrer, apprendre ces histoires-là. C'est aussi une plateforme de diffusion. Alors, il y a aussi un balado, si je ne me trompe pas, aussi. C'est un balado, il y a des web-séries, il y a des articles, des cahiers dédiés aussi à l'architecture et au patrimoine. Les métiers d'art, c'est tout ce qui est transformation de la matière. Mm-hmm. Alors aussi, les tailleurs de pierre, les forgerons, les vitraillistes. Il y a aussi des pratiques plus qui vont se rapprocher un peu des arts visuels qu'on va retrouver dans des galeries, dans des musées. Alors, vous avez notamment des artistes du verre qui sont présentés en détail là-dessus. Mm-hmm. Des expositions sur ce qui se fait, ou des événements qui se passent au Québec en métier d'art qui sont présentés sur cette plateforme-là. Et puis, donc vraiment énormément de choses qu'on peut apprendre, découvrir. Quel que soit son champ d'intérêt, il y a toujours quelque chose qui se passe sur cette plateforme. C'est une espèce de preuve aussi que les métiers d'art exercent leur art dans la modernité aussi. C'est-à-dire que ces nouveaux outils-là sont aussi en écho avec le fait que des artisans comme toi ne sont pas des artisans folkloriques, mais des artisans modernes, inscrits dans la modernité. J'ai envie de t'entendre là-dessus, Marc Bonnard. Ouais, ben c'est ça. Ce qu'on se fait dire encore quand on voyage à l'extérieur du Québec, c'est à quel point le fait que le Québec soit une nation assez jeune quand même, on n'est pas contraint par une espèce de besoin de passer nécessairement par la tradition, toujours. Mm-hmm. Du moins, on a des traditions au Québec, mais reste que on a ce que les je pense qu'on s'en rend compte quand on est créateur. Le fait de ne pas avoir nécessairement énormément de générations, une histoire de l'art qui date de plusieurs siècles, etc., fait qu'on est très indépendant dans notre manière de créer. Mm-hmm. Puis effectivement, on s'adapte donc très facilement, je crois, à l'époque, à l'ère dans laquelle on vit. Puis ça, c'est peut-être un peu la recette du succès de la culture québécoise, j'ai l'impression, mm-hmm. en tout cas, mm-hmm. d'être capable justement d'être autonome et de s'assumer dans notre création. Absolument. Je pense que c'est vraiment un aspect distinctif des créateurs québécois. Oui, puis tu dis souvent, Marc, tu sais, si le monde s'effondrait, les seuls qui pourraient nous aider à reconstruire quelque chose, ce sont les artisans. Absolument. Ce sont ces savoir-faire-là. Absolument. Puis j'attire aussi un point important. Le Studio Métier d'art, samedi prochain, on enregistre des émissions vraiment sur l'univers numérique et les métiers d'art. C'est animé par Denis Martel, qui est bien connu notamment à Québec, avec trois artisanes. On va parler un peu du lien entre leurs pratiques. Il y a une tisserande notamment, deux tisserandes qui vont être là, et le numérique. Et comment les outils vont influencer les pratiques et comment les pratiques influencent les outils. Absolument. Et c'est souvent les artisans qui vont être en amont du développement des outils. Oui. Par leur recherche, ils vont dire « Ah, cet outil-là, il ne va pas assez loin, est-ce que tu pourrais faire en sorte que ça aille plus loin ?» Alors, on est bien fiers de pouvoir partager ces histoires-là. Et je rappelle que tous ces événements-là qui se greffent alentour de plein air sont tous annoncés sur la plateforme matière.ca. Fait que tout ce qui se passe alentour de plein air, vous allez le trouver sur matière.ca.
Deux dernières choses avant de vous saluer. Il y a aussi des circuits qui nous permettent de visiter Québec autrement qui ont été organisés cette année. Oui, c'est tout à fait en lien avec l'histoire d'amour entre plein art et Québec. Ouais. On a développé deux circuits qui s'appellent plein art éclaté, que vous allez retrouver sur matière.ca, pour découvrir la ville autrement par ses artisans, par les métiers d'art et par des lieux qui sont marqués par l'histoire des artisans. Par exemple, il y a un circuit dans le Vieux-Québec et un circuit dans la Basse-Ville. Alors, on va passer au Musée de la Civilisation, on va passer à la Gare du Palais, on va passer au Château Frontenac, on va passer par des boutiques d'artisans aussi à travers ce trajet-là. Et donc, c'est aussi comment la ville s'est développée, comment ces bâtiments, il y a des savoir-faire extrêmement spécialisés, millénaires des fois, ont été... sur lesquels les artisans ont mené des interventions. Alors, vraiment, c'est... C'est bien parce que ça nous fait prendre conscience à quel point nous sommes entourés de ça. Souvent, on est aveugle à ça, on ne le voit pas, mais tout notre quotidien, notre environnement témoigne du travail des artisans et des artisanes partout où on va. Ça, c'est assez fou. Dernière chose, Julien, avant la conclusion qui sera lancée par Marc, il y a un concours d'organiser et je crois que tu as un carton sur lequel tu as toutes les informations disponibles. Absolument, Christian. Alors, ça me fait plaisir de vous le montrer. Alors, effectivement, le concours Matière à découverte, on a des petits cartons comme ça qui sont disponibles sur le site de plein art. Et 3 000 $ de prix à gagner pendant la période. Alors, il y a des nuitées au Château Frontenac. Il y a des forfaits chez Stromspa et puis, évidemment, des objets métier d'art que vous allez pouvoir emporter chez vous, offert par les artisans. Alors, c'est très simple, il suffit de remplir le petit coupon, puis de visiter le site de plein art. Et on vous invite à découvrir les artisans. Ça, c'est le nombre de participations illimité, en fait. À chaque visite, on peut en avoir un. Exactement, c'est ça. Vous remplissez votre petit coupon, puis tout va bien. D'ailleurs, je veux juste rappeler qu'il y a une collaboration avec le Château Frontenac, en fait, et une artisane qui a créé une assiette, en fait, dans laquelle assiettes seront servies des amuse-bouches au restaurant Le Champlain pendant toute la période de plein air et au-delà de la période de plein air, pendant toute l'année qui suit, en fait. Collaboration entre le chef du Champlain et l'artisane céramiste Maggie, c'est ça exactement. Maggie Gilbert, c'est ça? Maggie Gilbert, exactement, qui est céramiste. C'est une belle collaboration pour avoir des métiers d'art dans nos lieux tout au long de l'année. Et puis, quel est le lien aussi entre la restauration ou en tout cas entre deux domaines dans lesquels on ne fait pas toujours les liens nous-mêmes. Alors, ça permet de l'illustrer. Merci, Julien. Lolita, merci. On va se revoir, nous. Oui. Et toi, tu vas animer même plusieurs de ces rencontres studio. Oui, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui encore, et demain. Oui, demain, c'est toi. Après-demain, c'est moi. C'est vrai, tu as raison. Oui. Oui. Puis, j'ai envie juste de dire une dernière chose. Oui. Allez, quand vous allez venir ici sur place, parce que je sais que vous allez venir une fois que vous nous avez vus, allez vous arrêter, parler aux artisans, allez vers des kiosques qui n'auraient peut-être pas attiré votre attention au départ. Moi, tout à l'heure, je me promenais et j'ai vu Monastère de Bethléem, c'est bien ça? Et j'aurais pas à la base été attirée vers ça parce que j'étais très à l'affût de la mode, de la beauté. Puis j'ai réalisé à quel point il y avait de la modernité dans la tradition. C'est même pas juste c'est moderne, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste dans la tradition, il y a de la modernité. Tu regardais ces assiettes-là en céramique, puis c'est quelque chose que tu aurais envie d'acheter, qui se fait maintenant un peu partout, mais là, c'est fait donc par ces moines féminines. On m'a dit comment on disait des moines. Démoniales. Oui, exactement. Mmh. Puis j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Puis outre la modernité dans la tradition, il faut aussi regarder à quel point toutes les consciences qu'on a aujourd'hui, que ce soit environnementale, que ce soit économie circulaire, économie locale, toutes ces choses qui semblent être à la mode en ce moment existent depuis toujours dans le travail des artisans. Puis il faut se rendre compte, c'est ça, de la modernité dans l'artisanat. C'est ça que je veux que les gens viennent découvrir. Je t'invite à faire du pouce là-dessus et conclure, Marc Boinard. Moi, je vous dis déjà au revoir. On va se revoir pour ma part demain. Et toi plus tard aujourd'hui. Le mot de la fin, ben, à toi. Je trouve ça super que tu parles de ça, Lolita, parce que c'est exactement... Je pense que nos artisans reflètent et représentent bien ces valeurs-là qui sont nécessaires donc à l'avenir de la planète. Ouais, collectif, effectivement. Mais somme toute, ils sont souvent timides. Ce n'est pas les premiers à venir crier sur les toits que...
l'économie locale, l'économie circulaire, l'éco-responsabilité, la durabilité, tout ça, c'est toutes des valeurs qu'on porte qui sont au cœur même de nos pratiques. Mais je vous invite vraiment à ben, je sais que vous le faites, Christian et toi, Lolita, dans vos entrevues, tout ça, de mettre l'emphase là-dessus, parce que si on peut envoyer ce message-là, qu'en plus d'avoir des productions modernes qui sont esthétiques, qui traversent le temps, de sentir qu'on est vraiment dans un courant qui est des plus optimistes pour l'avenir. Puis, comme tu dis, faites parler les artisans quand vous visitez, quand vous allez les voir à leur kiosque. Si vous voulez entendre des belles histoires puis être certain de consommer responsablement, équitablement, etc., c'est l'endroit parfait pour le faire, pleinement. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là tout le monde et ben, à plus tard avec Lolita Dandois. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.